Bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce jeudi 3 août. J'espère comme toujours que tu t'es levé du bon pied et que tu es avec ton café, que tu as passé une merveilleuse nuit. Je sais même pas si je l'ai déjà dit du coup. Merci, merci, merci belle âme pour vos retours. J'ai ri de bon matin avec le séquoia. Pour la belle âme Gémeaux. Bah merci. je savais pas. Voilà. Et je me disais bien que c'est quoi, quand j'ai dit c'est quoi, le c'est quoi géant, je savais qu'il y avait un problème. Mais voilà. Je ne m'y suis pas attardée. On y va, madame. Avec une image du séquoia, d'accord? C'est géant. Allez, peut-être que ça va te parler. Alors, pour le message, c'est pas trop fort. Je sais pas. Pour le message énergétique de ce jeudi 3 août, pour le court-métrage, pour le joyeux anniversaire, pour le message des guides, en trois choix. C'est parti, s'il vous plaît mes guides. Oula. Calme-toi ma chérie, calme-toi. Alors, oh, c'est vrai, ça fait longtemps. Le Dixit pour le message énergétique. Ouais, c'est pas mal. Pour le court-métrage, Les Esprits de la Forêt. Bah, t'as vu, le séquoia géant. Pour le joyeux anniversaire, belle âme. Pour le joyeux anniversaire. Petite prière pour guérir avec l'aide des anges. C'est vrai. Et on lit le dotec. D'accord. Alors, pour le message des guides en trois choix. L'oracle thérapeutique de la femme sorcière, la féminité sacrée. C'est parti. Donc, le Dixit. Ah, bah, le Dixit. Ah. Oh. Voilà. Bon, moi, je mélange des deux là. Tu vois, c'est mélangé en fait. Donc, pour. Message énergétique. Super, mes guides. Les esprits de la forêt pour le court métrage, donc celui-ci. Petite prière pour guérir avec l'aide des anges pour le joyeux anniversaire. Et l'oracle thérapeutique, la féminité sacrée, c'est celui-ci pour le message des guides en trois choix. Bah écoute, on va y aller. Le Dixit, ça me fait un peu rire. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le Dixit. Ça fait très très longtemps. Ouais. J'ai même pas le plus beau Dixit. Tu sais, j'avais pris mes cartes et j'avais acheté mes cartes Dixit, pas pour le jeu, mais vraiment pour, pour des messages. Et j'ai pas trouvé le plus beau. Tu vois, il n'y avait pas le plus beau. Alors, bah on y va, écoute.
avec le Dixit. Tout ça, 4 pour une énergie. C'est vrai, mes guides. On en prend 3. Je ne sais pas du tout comment on va faire, hein, Bella. Il a un peu bugué. Pourquoi il s'est mis comme ça, lui? Ton guide te montre le chemin, belle âme. Suis-le, d'accord? Tu as l'impression que c'est désert, que... Ouh là là, mais t'inquiète pas, il y a une rose là qui pousse. Tu suis la passion, suis ton cœur. Ton guide, il te guide. Ton cœur, il te guide. Il y a quelqu'un qui va arriver sur ton chemin, il va te dire, non, non, bonhomme. Madame, monsieur, tu te trompes de chemin, c'est par ici. Et c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Alors, je ne sais pas du tout, je peux pas prendre seulement une carte de Dixit, c'est perturbant. Non, je viens de le faire, c'est vrai. Ah, oh, oh, pas tout ça quand même. Alors, on a une porte, tu as une porte devant toi, la belle âme, regarde, t'as vu? Ça te montre, on te montre le chemin, il y a une porte qui est fermée, tu es dans le désert, tu crois que bim, t'es mort, hein, c'est fini. Mais non, on te dit, il n'y a rien de fini, tu es guidé vers la porte de lumière. Oh, il y a quelqu'un qui t'attire avec des sous. Oh là là, c'est quoi ça? C'est chelou. On va voir. Ouais, il y a quelqu'un qui essaie de te faire sortir de ta cage ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Bah, les sous. Les sous. Oh là là, c'est perturbant, mes guides. On n'en a eu qu'une de retournée quand même. Hein. J'en prends pas. C'est perturbant, ce truc de monnaie, là. Moi, je garde la première, celle qui s'était retournée. Oh là là. Je sais pas, belle âme, je les remets dedans, tu vois. Mais il y a comme quelqu'un qui essaie de t'attirer avec des sous. Qui essaie de... Ou alors on te dit, ne suis pas le même chemin que tout le monde. Fais pas comme tout le monde, belle âme. Mais c'est chelou, ce billet, là. Parce qu'en même temps, il y a le truc pointu. Si tu touches, tu te coupes. Attention, belle âme, attention à tes pépettes. Quelqu'un qui t'attire par du financier, d'accord? Mais c'est pourtant mieux t'en prendre, en fait. Ouh là là, c'est perturbant. Quelqu'un qui t'attire par du financier, mais pour te voler. Enfin, un truc comme ça. Il y a, on t'appelle, je ne sais pas si on te dit, on t'amène là, on te dit, il y a un problème, il y a un souci, ou viens m'aider, ou ceci, mais c'est piquant, c'est pas top. Et tu vas avoir la sagesse de rester là où tu es. Il y a quelqu'un qui va essayer de te faire... De te faire sortir de ta cage, de chez toi, de je sais pas, d'accord? On te dit que tu es une pureté de l'univers. Et tu es protégée, belle âme. Tu es protégée par toutes les énergies qui veulent te geler, qui veulent bloquer un de tes projets, belle âme. C'est ça. Ça m'énerve. Hein. Alors, sur cette porte, mes guides, s'il vous plaît. Bah, disons, on fait un court-métrage. Tu vois, tant mieux. Alors, avec cette porte, qu'est-ce qu'il se passe? Alors... oui, bah... Mon Dieu, Seigneur. Ouais, ok. Alors, en fait, ici, là, tu vois, celle-ci, elle n'est pas sortie, je vais la remettre. Je te la montre. Tu fais le pitre. Tu fais le pitre, tu fais la pitre, hein.
Mais t'as quand même ton costume pour aller au palais, là. Tu fais comme si que, mais il y a quelque chose. Tu vas voir quelqu'un? Regarde la carte du dos de deck. Waouh! T'as vu ça? Oh, tu pleures. Pourquoi tu pleures, belle âme? Pourquoi tu pleures? Ici, tu as une porte. On te guide vers cette porte. Une porte qui n'est pas encore ouverte, que tu n'as pas ouverte encore, d'accord? Mais on t'apporte, on te guide vers... On te pousse à ouvrir cette porte ici, parce que... Moi, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, bah là, t'es heureux, tu chantes, tu danses, tu fais plein de choses à la fois, tu vois? T'es heureux, t'es heureuse. C'est comme si tu fais un grand nettoyage ici. Pour pouvoir ouvrir la porte, peut-être qu'il te faut faire un grand nettoyage. Parce qu'il y a cette énergie d'une porte qui est encore fermée. D'accord? Et ici, la porte, elle est déjà, elle est encore fermée, belle âme. Ok. Oula, je vais boire un peu de café. La porte, elle est encore fermée. Mais tu l'as déjà vue, cette porte. D'accord? Il y a des, tu as vu la lumière. Tu as vu que tu as la possibilité d'ouvrir la porte. Maintenant, est-ce que l'action, cette action de poser ta main sur la poignée là pour l'ouvrir, est-ce que tu vas la faire? Je sais pas. Ça, c'est toi qui sais. D'accord? Mais en tout cas, par rapport à cette porte, il y a cette énergie. Le fait de voir cette porte, tu es boosté, tu es motivé, tu chantes, tu danses, tu fais plein de choses à la fois. D'accord? Tu fais le ménage, tu fais le tri. Ok. Émotionnellement, tu as la tête dans les nuages, j'allais dire ici, oui. Mais là, tu as la tête dans... Il y a quelqu'un qui te fait tourner, qui te fait chavirer. Chavirer la tête, on dit chavirer le cœur. Je crois, oui, tu chavires mon cœur. Émotionnellement, il y a quelque chose de... On y va, mais bim, hein. On ferme les yeux, en fait. C'est comme si qu'on ferme les yeux. On ferme les yeux sur peut-être ce qui rend triste, hein, belle âme, hein, sur les difficultés, sur les choses tristes et douloureuses. Sur un passé que tu relis, et quand un passé te fait pleurer, bah tant mieux, relis-le, ce passé, parce qu'il te fait pleurer et il te libère, c'est des larmes, voilà, de libératrices, d'accord? L'enchantement. D'un passé. Et en fait, avec cette carte, t'es boosté, t'as envie, tu fais plein de choses à la fois en chantant, en dansant, en chantant, en dansant. Et tu plonges la tête la première, en fait. Tu vois, c'est vraiment, tu y vas. Tu y vas parce que là, tu as un vœu, tu as la tête dans les étoiles. Mais par contre... Il manque quelqu'un. Quelqu'un te manque ici. C'est peut-être pour ça, les pleurs. Hein? Les larmes de tristesse. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Ok. C'est vraiment le fait de plonger dans ses émotions. De ne pas fermer les yeux sur les émotions qui peuvent remonter. Parce que c'est comme si tu étais un peu dépité. Tu espérais, mais en pas, tu vois. Tu espères et en même temps, c'est comme si que tu abandonnes. Tu espères, mais en même temps, tu abandonnes. Ben, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore ouvert la porte, belle âme.
Tu as une action à poser. C'est quand même fou que la deuxième ce soit ça, parce que c'est ça, tu vois. C'est un peu la même chose. Mais il y a l'enchantement d'un chapitre qui se... d'un livre qui se ferme, d'un chapitre qui se clôture. Ouais, t'es prêt à décoller. T'as fait un vœu. C'était celle-ci. Tu vois, tu as fait un vœu, on t'aide à y croire, même si c'est... ouais, il y a le serpent, il y a quand même les difficultés. Le serpent, c'est ce qui est dans l'ombre, c'est ce que tu ne sais pas encore, c'est ce qui... Tu vois, si tu ne te lances pas, tu peux pas savoir en fait, c'est un peu ça. Et il y a vraiment le fait de t'envoler, hein, d'aller vers un nouveau départ. C'est comme si tu attends le bon moment, voilà. Hein. Tu fais le ménage, tu fais plein de choses à la fois, en chantant, en dansant, dans la joie, la bonne humeur, en lâchant prise aussi, hein, sur peut-être les larmes, les doutes, les peurs. Et le temps, voilà. Tu attends le bon moment pour décoller, en fait. Quand tu vas ouvrir cette porte... Derrière cette porte, en fait, il y a la personne qui te manque. La personne, la situation, le professionnel qui te correspond. Tu vois, qui t'est destiné, en fait. Derrière cette porte, il y a ce qui t'est destiné, ici. D'accord? Émotionnellement, tu peux être face à une personne qui te reconnecte. Tu peux être face à une personne qui te reconnecte à ton émotionnel, d'accord, qui t'aide à ne pas ignorer tes émotions, à être à l'écoute de tes émotions, d'accord, et qui te fait voir aussi cette partie de toi que tu refuses de voir, en fait, avec le serpent. Et elle peut te pousser aussi à te transformer, ok, à devenir ta meilleure version. Ah, c'est quand même dingue que ça vienne avec. Tu vois, c'est un peu les mêmes... Bah, c'est le même jeu, je crois, celui-là, du coup. Tu vois, les nuages, le gris, les émotions, la lune. C'est parfait, belle âme. T'en dis quoi? 20 minutes. Oh, 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 20 minutes. L'enchantement. Merlin l'enchanteur. L'enchantement, là, tu vois, t'avais... Oh, zut. L'enchantement, c'est derrière la porte, hein, belle âme, au moment où tu vas ouvrir la porte. Mais c'est comme si on attend le bon moment, ici, tu vois. Ben, j'espère que tu as aimé le message énergétique. Mais écoute, moi j'ai bien aimé. Il fallait rajouter des cartes pour mieux comprendre. Tu me fais tourner la tête. Allez, le court métrage, Mélite, s'il vous plaît. Pour ce jeudi 3 juillet. Oh là là. La métamorphose. La rêveuse. La futée.
Il y a une transformation au niveau de ta vision. En fait, tu vois une situation d'une nouvelle façon. D'accord ? Tu changes de vision sur une situation et tu restes dans le silence ici. Ta vision change sur ta vie, sur une situation ou hein, par rapport à de toi-même peut-être, d'accord ? Ta vision change et tu gardes le silence, on me dit. Le roi des elfes des bois sombres. Frère, frère, ça même, hein, d'accord, le monsieur là. Oh, vas-y donc. La mabon. La mabon, la mabonne, mais je me dis, il n'y a pas de E, donc ça devrait être la mabon. Avant le rassemblement. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle n'est pas venue. La licorne dorée. La chasse sauvage. L'ancienne. Blood Moon, Blood Moon, Moon. C'est bon, t'as vu. La donneuse de vie. Il y a une personne ici qui sacrifie ses fondations, qui sacrifie qui se sacrifie ou qui sacrifie quelque chose de déjà construit. D'accord? Tu te sacrifies toi. Toi-même, hein, tu te sacrifies pour. Il y a le sacrifice d'une fondation. C'est tu sacrifies ce qui est pour mieux. Hein, on a l'abondance au centre, belle âme. C'est comme si qu'en donnant, en laissant ou en lâchant quelque chose, toi, tu te permets, ouais, bah tu te permets d'élever ta croissance en fait, de continuer ta croissance, d'accord? Parce que tu prends la décision, tu décides de t'accomplir. Tu prends la décision de ton accomplissement, en fait, de t'accomplir. Il y a la métamorphose de l'ancien, la métamorphose et l'ancienne. Une transformation, aujourd'hui, tu transformes, il y a une transformation, ça t'amène vers plus de sagesse,
tu fais des choses différemment ici, d'accord? Parce que tu as acquéri durant toutes ces années une sagesse qui fait que tu as l'expérience aujourd'hui. L'expérience, bah, ton expérience fait que tu as cette sagesse ici, d'accord? Et tu suis ton instinct. Tu suis ton instinct parce que tu as compris les enseignements passés. Ok? Là, silencieusement, tu célèbres quelque chose. Silencieusement, tu célèbres. Tu anticipes, tu prévois. Pour ce que tu observes. Tu es en mode observateur, observatrice. Ouais, tu observes. Tu vois, tu prends le temps. Tu fais, tu danses, tu chantes, tu prévois des choses, tu vois. Mais tu attends le bon moment. D'accord? Donc, tu observes pour pouvoir anticiper, en fait. Tu es en mode observation pour pouvoir prévoir. Tu anticipes, d'accord? On est d'accord. Il faut arrêter de répéter. Ok? Pour te sentir à l'aise, d'accord? Lors de l'événement. Le jour de l'événement, le jour du rassemblement, en fait, d'accord? Le rassemblement. Avec la rêveuse et la chasse sauvage, on te parle de ta vision. Tu vois ce que tu, ce sur quoi tu as des yeux portés, ce sur quoi tes yeux sont portés, ça t'excite, il y a une excitation, d'accord? Tu visualises, ta vision fait monter l'adrénaline, d'accord? Il y a une montée d'adrénaline, il y a une excitation. Ok. Il y a un voyage, le voyage et l'apparition. Le voyage avec l'apparition, ça fait, ça m'envoie à... Il y a un voyage qui devient... On me l'avait envoyé. Hein. Il est parti. Il s'est envolé. Il s'est barré. Ah, un voyage qui devient une évidence. Merci mes guides. Un voyage qui devient une évidence. Tu vois? Et là, malgré, tu vois, le sombre des bois, même si quand tu avances, il y a des zones, il y a des zones, hein, de turbulence, là, il y a des petits nuages, eh ben, c'est pas grave. Tu restes focalisé sur l'avenir, sur l'espoir, sur la beauté, sur l'éclat d'une situation. D'accord? C'est parfait, hein? L'abondance au centre, c'est plus que parfait, belle âme. Ok. Par rapport à un espoir, on voit la crédibilité d'un espoir, la crédibilité d'un espoir. On voit la crédibilité d'un espoir. J'espère que tu comprends, belle âme, parce que je ne sais même pas si ça se dit. Tu comprends? Je crois, je ne sais pas. Ok. «
C'est beau. Il y a une métamorphose par rapport à un rêve parce que tu es futé, parce que tu es rusé, parce que tu vois, tu fais des choses en silence. Ok. Là, tu deviens cette figure d'autorité pour ton abondance. Tu te décides, là, tu tapes du poing sur la table pour ton abondance parce que tu as l'espoir d'un avenir ici. Ok. On parle d'un événement, d'un voyage. L'événement, c'est un voyage et un voyage qui va t'enseigner. Le voyage de l'enseignement. D'accord? L'événement, c'est le voyage de l'enseignement. C'est parfait. On a quand même une figure par rapport à cette abondance, cette paix, ce contentement. On a quand même la figure masculine, d'accord? Le roi des elfes, des bois sombres avec l'autorité, la crédibilité, le prestige. Et là, ma bonne, la figure féminine, donc avec l'éclat, l'espoir et l'avenir. D'accord. Ça, c'est la ligne du milieu. D'accord. Ok, mes guides. Et du coup, on a l'énergie féminine qui est dans le silence, qui observe, qui est futée. D'accord. Qui fait preuve de... Qui suit son instinct. Qui a de l'expérience. D'accord. Qui a de l'expérience, qui a une grande sagesse. La sagesse d'un silence ici. D'accord? On a la sagesse, un silence. Le silence de la sagesse d'un silence. D'accord? Parce que une énergie féminine qui a été dans l'observation, qui a pu observer, qui a comme, par rapport à l'expérience, qui a observé, qui est comme retourné en arrière, tu vois? Qui s'est refait, c'est peut-être pour ça, hein, d'accord. Le livre et les pleurs, ça purifie, d'accord. Les larmes, ça purifie d'un passé. On relit une histoire, on lit pour être sûr d'avoir compris, d'accord, pour pouvoir clôturer, en fait, fermer un livre, clôturer un chapitre, d'accord. Et on a une énergie masculine ici qui est dans la célébration d'une transformation, qui célèbre sa transformation ici. Une sagesse qui anticipe de par sa sagesse, d'accord? Et qui suit son instinct concernant un événement important de sa vie ici. Et pour l'énergie générale, donc l'énergie du masculin, de la féminine, c'est l'abondance. Il y a une vision, on visualise et il y a l'excitation, d'accord? Juste de la visualisation de ce qui peut être, de ce qui peut être, de ce qui doit être, de ce qui sera, d'accord? Mais il y a une vision qui excite, qui t'excite à l'intérieur, d'accord? On parle de transe, voilà, frénésie, ok, quelque chose qui t'emporte, qui te, d'accord, le voyage devient une évidence, tu vois, voyage, apparition, le voyage devient une évidence, mon Dieu, bah, entre le Dixit et ça, ils m'ont donné la totale aujourd'hui, tu crois pas? J'espère que tu as bien compris tous les messages, belle âme. Ce qu'on m'a fait lire dans tous les sens, là. Ok. Et pour une métamorphose, là, avec un masculin, il y a quand même une féminine qui a été futée. Hein. Ok. Il y a une féminine qui a été... Voilà.
qui a été futée de par un silence, peut-être. D'accord. C'est bon. Merci, mes guides. Eh ben, dis donc. J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera en ce jeudi 3. On y va? Joyeux anniversaire, belle âme, en ce jeudi 3 août. C'est parti. Le joyeux anniversaire. Oh là là, ben, il pleut. Tu m'excuseras, je dois fermer ma fenêtre. On y va, madame. Petite pyramide, s'il vous plaît. En 6 cartes, pas une petite 3. Pas une miniature, mais une petite pyramide de 6 cartes. Oh là ! T'as vu ça ? Différence. Le goût. Alors, s'il vous plaît, mes guides, on fait une petite pyramide de 6 cartes, j'ai dit. Donc, il m'en faudrait encore. La santé. Bien-être. OP. Sexualité. Deux dernières. S'il vous plaît. Bah dis donc, belle âme. L'eau, bois de l'eau, hein, pour ta santé, là. Bois de l'eau, belle âme. Tu vois, moi, je suis rentrée chez moi hier et j'ai eu des crampes à mon orteil qui étaient encore dans ma grosse chaussure. Donc, ça m'a fait. Et j'avais pas bu de l'eau du tout de la journée, belle âme. Tu vois, j'ai eu des crampes. J'ai pas bu une goutte d'eau hier. De la journée, du moins. Le soir, j'ai bu. Après, j'étais embêtée toute la nuit, mais voilà. Convalescence. Toucher. Sport. Alors ici, on peut me parler d'une différence, d'accepter ta différence, peut-être au niveau de la sexualité, belle âme. On peut me parler de homme-homme, femme-femme, hein. Homme-femme-femme-homme et femme-homme-femme, hein. On s'en fout, hein. Chacun sa vie, on est d'accord. Il y a une différence ici. Tu dois t'accepter comme tu es, belle âme. Tu dois accepter d'être différent au niveau d'une sexualité, peut-être, d'accord? Tu dois accepter qui tu es, accepter ta différence. Tu retrouveras une paix intérieure quand tu te reconnecteras au plaisir de la vie. Et pour te reconnecter, donc peut-être à la sexualité même, d'accord? Mais tu pourras te reconnecter à la sexualité quand tu accepteras d'être différente, différente. Quand tu auras accepté qui tu es. Belle âme. Oh! Ok. On te dit, pour ta santé, n'oublie pas de boire de l'eau, hein, clairement. Hein. On te dit, on peut te parler également, le fait de ne pas t'accepter tel que tu es, de ne pas accepter ta différence.
tu te fais souffrir. Le fait de ne pas accepter ta différence. Tu n'es pas en accord avec ton corps et ton corps, il te le fait comprendre, je pense, par des douleurs, par... tu vois? Je sais pas si tu as des bleus partout, tu te cognes tout le temps partout. Oui, tu te cognes, mais il y a une douleur, tu pourrais ne pas te cogner, on est d'accord. Il y a une raison, c'est parce qu'on t'amène à comprendre quelque chose, d'accord? Si c'est rouge, c'est une colère en toi peut-être. Si c'est bleu, je sais pas moi, ou rouge, tu es en colère. Enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Il y a toujours une signification, belle âme. Et on te dit, ça touche, c'est l'émotionnel, l'eau, d'accord? Les émotions. Le fait de ne pas t'accepter tel que tu es, de ne pas accepter ta différence au niveau sexuel, fait que... Au niveau de tes préférences hein, sexuelles, vraiment, tu prends comme ça résonne, belle âme. Mais le fait de ne pas t'accepter... Tu abîmes ton corps avec tout l'émotionnel que tu gardes, en fait. Avec cet émotionnel que tu ne t'autorises pas à exprimer par ta sexualité, ton énergie sexuelle, ton sacré, d'accord ? On te dit de reprendre goût à la vie. Tu mérites de goûter à la vie. Tu mérites de croquer la vie à pleines dents. Ok ? Que ce soit une différence au niveau de ton plaisir, d'une sexualité ou différence au niveau du corps, d'accord ? Tu mérites. Peut-être que ton corps ne te plaît plus parce que ben, tu as pris de petits kilos. Enfin, tu vois, fais du sport. Vas-y, fais en sorte d'aimer ton corps. De toute manière, si tu ne l'aimes pas, personne ne pourra l'aimer ton corps. C'est en t'aimant que les gens ils t'aiment. Enfin, même si tu t'en fous au final, mais en t'aimant, automatiquement, tu attires des gens, des personnes qui t'aiment, qui acceptent ta différence. D'accord? On te dit reprends goût à la vie. Le fait de reprendre goût à la vie, tu vas vers ta guérison. C'est ce qui va t'assurer ta guérison. C'est ce qui va t'assurer de te sentir bien, en paix. D'accord? En paix avec ta sexualité, en paix avec ta différence, en paix avec qui tu es, et qui va rééquilibrer les choses au niveau de tes émotions, belle âme, d'accord? On te dit, mes anges, les mains sur le cœur si tu le souhaites, belle âme, mes anges, merci de conserver intact mon sens du toucher. Que ce soit le frisson d'une caresse sur la peau ou le chaud et le froid qui me montent au cerveau. Ne me laissez jamais oublier que tout ce que je touche me connecte à l'univers tout entier. Je suis le toucher. Je mérite le toucher. Ok. Tu vas vers ta guérison, tu vas vers un équilibre ici. Le fait de reprendre goût à la vie, de croquer la vie à pleines dents, tu te guéris et tu vas vers l'équilibre, ton équilibre. D'accord ? D'accord. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire, belle âme. En ce jeudi 3 août,
On y va pour le message de des guides. Premier, deuxième, troisième choix, belle âme. C'est parti, fais ton choix. Pour ce jeudi 3 août, quel est le message de tes guides? Que tes guides ont pour toi avec la féminité sacrée. Pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Donc première belle âme, deuxième belle âme et pour la troisième belle âme. Oh, bah dis donc, je voulais pas, tu vois. Alors, pour tous, on a la métamorphose alchimique qui nous dit chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. On en parlait, hein, dans le... on est d'accord. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'aimer en conscience, belle âme, pour pouvoir dépasser les défis, surmonter les obstacles. Enfin, tu vois, tout ça là, le challenge, les défis. Eh ben, on te dit qu'il te faut t'aimer, donc prendre soin de toi et devenir ta priorité. D'accord? Nous devons... on est d'accord. Première belle âme, premier choix. La force du pardon. Pardonnez aux autres. Pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Ok? Pardonne-toi pour ça, belle âme. Pour cette première carte, peut-être que c'était vraiment que celle-là qu'il fallait prendre en énergie. Après, bon, il y avait le reste, mais voilà. La porte, pardonne-toi, pardonne aux autres, d'accord? Pour ouvrir une porte, la porte d'une vie paisible et sereine. Le pardon est important. Deuxième belle âme, deuxième choix, la graine de vie. La graine de vie qui te dit, décide aujourd'hui de vivre pleinement ta vie, ton incarnation, belle âme. Ok. Pardonner, c'est déjà décider de vivre pleinement ta vie, ton incarnation, ton incarnation. Alors, c'était le pardon, c'était le premier, mais on me dit de le dire, donc je le dis. Voilà, belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. La renaissance du phénix. Ouais, mais en plus, je l'avais vu sans la voir, mais... Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. On y croit ou pas? On y croit, belle âme. Ok? C'est beau. Pardonner, c'est déjà décider de vivre pleinement ta vie, ton incarnation. D'accord? Et oui, parce que le changement, confortable ou non, hein, le changement, il est confortable ou non, de toute manière, mais le changement, il se fait, le changement doit être, tu vois, pour la renaissance du phénix. Ok. Tu es amené à te dépasser, belle âme. Et voilà. On a terminé. J'espère que ça a résonné pour toi, belle âme, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite une merveilleuse journée en ce jeudi 3 août. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à bientôt et je t'envoie, comme toujours, tout mon amour, belle âme. Bye bye.